l'Oasis du Dragon, on fait avec la nature. On apprend à la connaître, on apprend à la respecter, à cultiver la biodiversité, voilà, principalement. Avec des enfants et avec aussi, surtout, des écoles, parce que notre principal objectif est d'attirer des enseignants pour venir faire classe dans la nature. Ce qui m'a incité à m'impliquer dans les porte-voix, c'est principalement l'aspect citoyen, rencontre avec toutes sortes de personnes et de tous horizons, l'envie de partager des choses, d'apprendre des citoyens au travers de choses qui vont surgir à force des rencontres, à force des échanges avec des gens qui parfois n'ont pas l'habitude de parler d'eux ou de citoyenneté. Mais par contre, un sujet va les intéresser, de fil en aiguille, on peut être amené à, non seulement à partager des choses, mais à faire des choses de manière collaborative. Chaque citoyen ou groupe de citoyens peut très bien s'impliquer dans quelque chose qui peut être totalement différent, mais qui fait appel aussi un peu à la collectivité. Et en particulier à des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude de s'impliquer politiquement ou autre. Voilà, c'est ça qui est aussi intéressant, de se réapproprier un peu un certain pouvoir de faire des choses, quoi, sans attendre de qui que ce soit, ou de la mairie, ou de je ne sais qui, la permission ou pas. Voilà. Ça, c'est une démarche que je trouve intéressante, quoi. Merci. Voilà.